Hey! Merde. Hey, salut! C'est Jean-Paul, alias Jean-Christophe Dumas. Jean-Christophe Dumas, c'est... Jean-Philippe Dumas, je sais plus. Bref, bonsoir. Bonsoir à vous, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Donc ouais, hier j'ai pas stream parce que je n'avais pas du tout l'envie. Parce qu'actuellement au boulot, ils me font taffer comme un bâtard d'enculé de sa race. Enfin, bonsoir à vous. Pardon. Oh. Mais c'est Litz, bien le bonsoir. Ça va Litz, tu vas bien? Il y avait aussi Spike, mais Spike il est parti. Ah mon dieu, ça parle de Pokémon et de suite, Litsune est là. T'as dit, tu vois bien? T'as vu les annonces alors pour le nouveau Pokémon? Pour les nouveaux Pokémon? La chérie m'a fait un compte rendu, tranquille, c'était juste parfait. Salut Val! T'as Val, tu vois bien? Il y a eu tellement de trolls quand même. Ah mais oui! C'est pour ça, franchement, c'est. C'est bien, c'est vachement bien, tu sens que les gars là, ils sont en mode bon. Alors actuellement, on n'a plus beaucoup d'argent au sein de Nintendo. Alors il est temps qu'on se bouge un peu le derche, s'il vous plaît. Oui. Et en tant que starter, juste... Il y en a... J'ai vu tellement de trolls, mais tellement... Les deux? Bah, prends-en qu'un. Bon, ça va, Val, ça va. Le dos en miettes. Mal au dos. Mais sinon, ça va. Je suis survivace. Non, surtout que j'ai mon portable qui fait de la merde. Attendez. Juste que je fasse 2-3 trucs. La dernière fois que j'ai joué, ça datait du 12 avril. Ah oui. Est-ce correct aussi? Pardon. Hop là. Oui, j'ai vu les légendaires, ils sont assez stylés. Encore le dos? Bah bien sûr, c'est toujours le dos. Hey, Bryce Blobfish. It's gonna be Bryce. I speak English. So welcome to you, Bobby. Bryce. Welcome to you, dude. Utilisation 6 annoncée pour automne. Nice. Et c'est en I6. Le pro Nintendo a parlé. Yeah, most of the chat is French, Bryce, so don't worry, you can easily speak English, most of the chat can speak English. So don't worry, and like Bob said, be happy. How are you, Bryce? Ça va, Spike, tu vas bien? Il m'a fait rire que c'est comment t'as halluciné que mon bot était en train de taffer en mode « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est drôle. Moi j'aime bien. Bon. Alors on est reparti pour jouer à du Pokémon RNG. Alors j'ai beau avoir la tête complètement dans les fesses. Je vais essayer de vous faire au moins du Pokémon pendant 1h30 voire 2. Quitte à ce que je vous fasse un autre jeu après. Comme ça j'alterne un peu. Comme ça j'ai pas une vidéo trop grosse pour YouTube. D'ailleurs coucou YouTube. Pareil, Spy, pareil. Alors que c'est ma dernière semaine de boulot, je devrais être moins crevé, tu sais, plus enthousiasme, mais j'ai l'impression qu'il muse, tu vois, qu'il muse bien. Pas qu'il me fuse, mais bon. Avec ce smiley, t'es en mode... Oh Mr. Ball Edition, mais ouais, c'est carrément ça. Hop. Et passons au vif du sujet. Alors, il l'a pas pris en compte, ce petit connard de merde. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, c'est un truc de maloud. Ça vient en l'armée. Ah merde! Pas trop dur, Asfak? Pas trop dur, les examens? Je suis désolé, à chaque fois, je dois faire ce truc-là. Normalement, c'est fait avant, et... Là, ça m'a pris les couilles. Madame Coco. Coucou, Madame Coco, tu vas bien? Oups là. Normalement. Hop. Hop.
Un tout petit peu. Voilà. Parfait, voilà, on s'amuse, on est bien. Musique de fond. Du 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 du. Ah ouais? Gros coef? Gros coef, ce mec? Oh, la forme s'est vite dit. Quand tu passes 6 heures dans une température à 0 degré. Voilà. C'est pour ça que j'ai la peau un peu rouge. Non, sinon ça va. Sinon ça va. Durée de 5 heures. Vache. Bien. Rappelons-nous. Quelle était notre équipe? Le Golator, bien entendu. Pony Tug, j'ai oublié le Pony Tug. L'Éjecule-feu, le Garou. Godmichou et mon cher ami Van Brock. C'est vrai, le Godmichou était notre dieu à tous. C'est vrai, Joubias. Ah, bon courage à toi alors, Lit. Pas trop dur ta journée, Madame Cora? Là, on va parler à cette connasse. Salut Akin, tu veux bien m'aider? Tu tues des immondes scélérats de la Team Galaxy? Monsieur Van Brock. Mais dommage. Ça va Van Brock, tu vas bien? Ceux qui essaient de voler les travaux du professeur Sorbier à féliciter, je suis tombé sur eux tout à l'heure et ils m'ont volé mon Poké-Cuquette. Aide-moi à le récupérer s'il te plaît. Faisons équipe pour leur mettre une raclée. Oui. Toi et tes Pokémon faisant équipe avec moi et mes Pokémon. Nous unissons nos forces. Notre équipe de rêve ne peut pas perdre. Je ne laisserai pas ces enculés s'en tirer à bon compte. Très bien. Alors, c'est très spécial sur Black Desert en fait. Mais faudrait demander plutôt à Camille plutôt qu'à moi en fait, Lit. Un out-out et un April Trini. Ça paraît presque normal. Je ne sais pas. J'ai un doute. Nice. Mais ça va être un bras quoi? Ça forme? Nice. Déflagration! Jugement! Mais what? What? Calmez-vous! De Golator n'a rien à se reprocher. Canon graine. Je sais pas du tout ça, lui. Je sais pas du tout. Je lui demanderai. Close combat! Je lui demanderai. T'inquiète, je te dirai ça, lui. Salut Bilou! Ça va Bilou, tu vas bien? Déflagration! De Golator! Et l'encul des abeilles mortes! Pardon. Très bien. 324. Un Caravana. Pokémon Flotte, ça m'intéresse pas des masses. C'est vrai qu'il avait Hydrocanon quand même. Mais ce Pokémon ne veut rien dire. Hurle-t-en, on s'en bat les couilles à les bras. Loupio! Suc digestif. Me digère pas. Merde. Ah, c'est spooky. Juste un brandy boo. Salut, Sophie, ça va? Ça va, Sophie, tu vas bien? Courage de Spike, bientôt fini. Ah. Je dis ça, je sais pas, mais bon. Ça va, Sophie, tu vas bien? EP pour le nouveau Pokémon. Loupio utilise Zenith. Les rayons du soleil gris. Vibre obscur. Ah, ça spooky. De Golator de se recharger. Attends, le vibre obscur, c'est une putain de vague, mais ça m'a pas touché. What the? Oui! Autre, close combat! Ah non, c'est double pied. Esquive du tout, Tenibes. Close combat. Putain, mais il en veut, Loupio. Prends ça, bâtard de Loupio. Je ne peux pas toucher. Je ne peux pas toucher au Douglator. On est prêt. Ah, presque. Juste un Brindibou. C'est le nom du nouveau Pokémon plante. Il s'appelle Brindibou. Juste un Brindibou. Juste un Blidou. Juste un Brindibou. C'est stylé. C'est sûr stylé. Allez, relax.
accélère un peu, voilà, il est mort. Il n'y a pas de cible. Un chaglam. C'est presque normal. C'est bien. Déflagration. Fulmigraine. Adieu, Loupio. Ils ont attaqué que Loupio. Pourquoi? En Pokéfion? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, ces filles? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a un Blizzaroi. What? Ah oui, non, c'était... Elle a un Blizzaroi. C'est parce qu'elle a pris Pokémon de début et c'était un petit Blizzy, il me semble. Oui, avec ma main, je peux faire des trucs. Bon, tu m'emmerdes, tu vas le toucher. Point de feu dans la glace. Bien joué. Bien joué. C'est super efficace. Mais touche. Allez, merde, garde mystique. Ah, oh, ça craint. Blizzaroi a fait le travail, très bien. Merci Blizzaroi. Mais attends, mais sérieux, ces chakras ont des gardes mystiques? Bah tu perds des enfants, ce n'est pas juste. J'aurais dû faire profil bas et me contenter de surveiller les hangars. Les hangars? Mais Persona 5, je suis tellement chaud. Je suis tellement chaud pour Persona 5, il a l'air tellement stylé en plus. T'as la main? Ah, c'est nul! Non, Pokémon, ce sont des mauviettes! On devrait apprendre de nouveaux cartes générales! De toute façon, on s'en fiche bien des Pokédex! La Team Galaxy aura bientôt tous les Pokémon du monde à ses bottes! Tous les Pokémon de l'univers, même! Tiens, prends ton Pokédex! C'est Polo! T'as Polo, tu vas bien? Les objets entreposés dans le hangar ont déjà été acheminés vers quand, de toute façon? Comment dire, il y aurait bien qu'il ira le dernier! Les sbires vous saluent! Mais que se fait-il? Pourquoi les membres de la Team Galaxy se comportent comme s'ils étaient les maîtres ici? Merci de tout cœur, Hawkins. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans mon Pokédex. Il est indispensable pour assister le professeur Kiket dans ses recherches. Alors, Hawkins, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, je pense aller faire un tour au manoir Pokémon sur la route 212. Il paraît qu'il abrite des Pokémon rares. Plus aucune crainte à avoir, je suis là. Non, oh, merde. Ah, tu m'étonnes. Ça doit tellement coûter cher. Ah putain. Ça va le faire, Litz, ou pas? Ça va le faire. Et alors, tu les aimes pas du tout, mon broc? Franchement, celui de plante, moi, je le trouve stylé. Celui de flotte, ça me fait penser à une peluche. Et c'est Ryzen. Bel bonsoir. Ça va, Ryzen Luchan, tu vas bien? J'ai entendu dire que des infos se battaient contre Team Galaxy, j'aurais dû me douter que c'était vous. Ah, c'est cinglé de féliciter. Vous osez vous exprimer ainsi en ma présence, quelle grossièreté. Je suis désolé. La Team Galaxy m'avait volé mon Pokédex, je suis furieuse. Ah là là, c'est sorti comme ça. Moi, je vous laisse, méfiez-vous de la Team Galaxy. Ok, très bien. T'as Apollo alors, tu vas bien? Ça va, mal au dos, explosé, monsieur, ça va. Aucune importance, ce qui m'inquiète par contre, c'est le comportement de la Team Galaxy. Tenter de dépouiller des enfants, quelle bassesse. Décidément, ils font de bien piètre criminels. C'est dur à dire avec ce putain d'accent russe. Ah, c'est un chat dissident, mais oui, exactement. Capable. Avant Brock. Oh, Avant Brock, le brindibou, il y a tellement des gifs débiles de ce truc. Genre tu vois le brindibou qui fait un 3-6 pour voir la meuf, ça explose, il regarde le Pokémon en face, il explose. Lundi. Lundi. Ouais, lundi je peux, ouais. Vu que la semaine prochaine ça va être un peu de temps d'axe, mais bon. Ok, d'accord, Cora, d'accord, très bien. Il y a intérêt, Elite, sinon je t'encule. Mais la médiocrité de leurs exactions ne les rend que plus préoccupants. Il faut examiner Hangar, suis-moi, et allons-y jeter un coup d'œil. Putain, il t'emmène avec, tu sais. Allez, viens, gamin, on va dans un hangar. Ouais, pareil, ouais. C'est fermé. Sans la clé, nous sommes obligés de laisser filer ces bandits.
Ah, cette capsule secrète, elle contient la capacité secrète vol. Oh kids, je te la confie. Mieux vaut ne pas la laisser aux mains de la Team Galaxy. Il semblerait que nous ne soyons pas très... ne sont pas plus avancés, tant pis. Ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai entendu au casino. La Team Galaxy a transporté quelque chose jusqu'à Verchamp. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais ça me dit rien qui vaille. Ouais, pareil. Nanana. Nice. 16-2. Nice. Nous avons vol. Une capacité que j'affectionne tout particulièrement. Cette porte rouillée et verrouillée, elle nécessite une clé spéciale. Blablabla, ok, il faut aller à Verchamp. Ya, allons Verchamp. Starter Bacon. Bacon Strip. And Bacon Strip. Celui de XY, ouais, c'était Fennec. Fennec, bah, c'est le seul que j'ai pris. Le premier et seul starter feu que j'ai pris. C'est con, mais ça la mèche. C'est pas que je l'aimais pas, mais... J'étais pas ultra fan, tu vois. J'étais pas si EP par ça, tu vois. Raphaël Psy, je vais le garder. Vibropsio, je vais le garder. Je vais le remplacer par Pika. Enfin, à la place de Pika. De Xerneas. Xerneas, je me rappelle plus le QR sang. Si c'est Pokémon X. Donc ouais, Xerneas, c'est le légendaire X. X. Néo. Ok, bah allons vers champ. Très bien. Garros. Et pourquoi Courage devait pas dire du mal des trucs venant de l'Est, de l'Asie du Sud-Est? Félicité, c'est là-bas. Jolie Verge, c'était là-bas. Verchamp. Eh bien, allons vers le sud, très bien. Parti. C'est Bambi. Ah, c'est Bambi. Eh, je le connais, Bambi. C'est un copain. Bien. Fonçons vers le sud. Oh, un rocher. Une étrange météorite tombée des étoiles. Ah bah oui. Bah j'ai jamais fini Pokémon Platine, c'est con, mais j'ai jamais fini. Ah ah, je connais une qui aime bien l'Asie du Sud-Est. Bonjour, je travaille pour Félicité Lé. Avez-vous du temps pour faire l'interview rapide? Oui. Merci beaucoup, alors perdons pas de temps. Vous étiez champion d'arène, comment appellerez-vous votre arène? Je l'appellerai... Union. Je l'appellerai... Le souterrain. Voilà. Ah, t'es polonaise. Ah, je comprends. Pardon, excusez-moi. Merci d'avoir partagé vos impressions avec nous. Cette interview sera diffusée très prochainement dans nos programmes. Alors allumez la télé, regardez-la. Salut, Karim 9400. Je ne sais pas qui tu es, mais bienvenue à toi, jeune ami. Bienvenue à toi, jeune ami Karim. Comment tu vas? Bienvenue. Bienvenue à toi. Darkrai. Putain, Darkrai, je me rappelle que je l'ai... avec XY, je l'avais eu en version un peu gaisou. C'était drôle. Oh mon dieu. Non, non, c'est fini. Tais-toi. Ne parlons pas de ça. Surtout les Pokémon. Tu veux dire les jeux ou mon Pokémon préféré? Je l'ai déjà fait, Starine. Ok. Ah, j'aurais plutôt été Sun en fait. Moon en fait. Déjà, je sais que la chérie chérie va l'acheter. Mais je suis plutôt Sun en fait. Sun, j'aime bien la gueule du. Bah, du Pokémon, en fait. Sun, tu vois, je trouve que ça fait un peu trop mystique, tu vois. Le Sun, ça fait vraiment bourrin, tu vois, j'aime bien. Si, c'est celui en 3D moche. 3D très moche. Tu comptes emprunter la route 214? Ça sérieusement. Il est difficilement praticable et il n'y a rien à voir là-bas. À part peut-être ce urine maniaque à la limite. Ce type s'est frayé un chemin à travers la roche et sans l'aide de personne. Okay.
que j'ai des shiny? Absolument pas, Karim. Absolument pas, eux. Euh, 28, 30... Ouais, c'est le dégoulateur qu'il faut que j'ai voulu. Là, de la fin. Ok. Ma bestiole préférée, je kiffe Norfang. J'aime beaucoup Norfang comme Pokémon. Télékinésiste Antoinette. Pourquoi elle a un fer au sein chez Technésiste? Très bien. J'ai pas du tout de shiny en tout cas, monsieur Karim. J'en ai pas. Le soleil est rendez-vous avec la lune. D'ailleurs, cette connerie de SFR m'empêche d'appeler. Je n'ai plus de raison, je sais pas comment, mais bon. Je gagne. Ça gagne. Quelque part, oui, c'est vrai, ça, Polo. Norfang, Brindibou. Mais non, mais j'aimais beaucoup l'autre route. Et en fait, Norfang fait partie de ma team, très très longtemps, quand je jouais à Or et Argent. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois, je me démerdais pour en choper un, parce que, ok, c'est un Pokémon piaf, mais j'ai surkiffé, en fait. Et mine de rien, après, il y a une question que tu peux te poser aussi en tant que Pokémaniaque, dira-t-on. C'est quel type de dresseur tu serais, en fait, dans Pokémon? Bon, pour Litz, je sais que c'est un des vieux de la pension, tu vois, mais... Je sais pas. Moi, je me verrais plutôt comme étant... comment ils appellent ça? Les mecs qui s'occupent des piafs, en fait. Chérie, c'est Evoli. Je kiffe Evoli. Truc de malade. Mais tu veux te procurer le de quoi platine, Aizen? Bah parce que je pense que t'as passé plus de temps à faire de l'élevage plutôt qu'autre chose en fait, non? c'est un Pokémon baston. Oh, tiens, j'ai bien envie de ces balayages. Marteau point. Aïe, ça fait très mal. J'ai envie de Golator. La vitesse, très bien. Wouhoupa! Oui, le lance! Bra! Bra! Est-ce que tu montes d'une dizaine? What? Ah, Mew, ouais, c'est vrai que Mew est assez spécial, mais bon. Mew, c'est, comment dire, c'est l'évolution, tu vois, des Pokémon, mais bon. Tu te définis comme lui? Bah, après, t'as l'aspect aussi un peu extérieur. Bon, il est rose, bon. À part si t'es vraiment, vraiment une petite madame en mode « Oh là là, il est rose !» Tu vois, non, mais Mew, il est sympa aussi, ouais, j'aime bien. Ah, ok, de ma soudée. Ça y est, ça, ouais, pour les autres. Canard Tichot. En fait, c'est la 3D qui est bizarre. Au lieu d'y avoir une 3D fixe comme as, en fait, t'as le jeu qui est légèrement penché. Pour les moments de plateforme, c'est très étrange. Très très étrange. X4 a failli être comme ça, mais il est mieux arrangé, je trouve, mais bon. Ouais, Polo, c'est tyrannosique, mais bon. La 2G était. C'était. Étrange comme transition, mais bon. Un net, lui. Il va me défoncer le Dégoulator, mais bon, c'est pas grave. Tempête de sable. Ah non, ça va. Garde-voir. Il est 21h47. Pardon. Dead. Net, clean. Ici. King. Ah! Ah! Une tempête de sable! Et Coxis! Merde, y'a Coxis qui va venir m'attaquer. Ponytug, ma gueule! Le Ponytug! Direct! Pourquoi l'avait appelé Ponytug déjà? C'est vrai! Il avait lance-soleil! C'est vrai! Rebond!
Pas de soucis, t'es capté, Cora. T'es capté, madame Cora. Tu as un poisson dans ta gueule. Voilà. Ah, mais il était vraiment très très bon le X4. J'essaie de te faire peur, mais c'est tombé à l'eau. Ah, c'est toi, Ponytug. Oui, je me rappelle Spike, ouais, c'est toi qui m'avais donné le nom. Le Ponytug. Normalement, mes servants de Brock peuvent exploser ça. Oui. Van Brock. Merci, Van Brock. Ouais, Pandarbar, il est génial comme Pokémon. Ah ah, dresseur, enfin! Tu vas devoir affronter les Pokémon que j'ai trouvé! On fera un tour de hautes herbes après. Hein. Rune maniaque Alec. Melofé, ok. Ah oui. Avec Spit Mushroom! Spit Mushroom! J'ai juste l'impression que le mec il va être craché à la gueule. Spit Mushroom! Bon, par contre. Bah, chez Izzy. Je vais prendre un peu Godmichou. Mais oui, mais c'est complètement un thug le gars, tu sais, vraiment. Lumi éclat. Dans ton cul, bâtard! Vampy Punch! Un notaria. Oh. Pourquoi il a un notaria, putain, ça aurait une maniaque. C'est le mec. Donne-moi. Kémé, kémé. Gaz toxique. Dieu qui pète sur les gens. Tu viens de ça quand je te pète dessus. Hein. Un notaria avec synchro. What? C'est quoi cette attaque? Je la connais pas! Un babil! Je connais pas cette attaque, moi! C'est quoi ce babil? Babilouné! Kame, kame, kame! Tuel! Ah, mon dieu! Tu ne peux plus m'échapper! C'est le gaz divin! Mais oui, c'est le prout en mode. Ouais, tiens, prends ça! Pour que je te suce ta mère! Il y avait Spit Mushroom, Cyber Peacock. Godmichou souffle du poison. Ah non, Godmichou. Tu sais, le gars, il a fait. Attends, je vais te mettre un autre Pokémon. Je suis sûr que tu veux les faire une crasse. Bon, on va commencer à. On va continuer à manger. Tout plein de vie. Laser glace dans ton cul. Hey baby! How are you baby? T'as mon amour, tu vas bien? Ok, efficace. Elle est battue, une maniaque Alex. C'est difficile de gagner avec des Pokémon qu'on connaît mal. Tu m'étonnes, un Melofé quoi. Tu m'étonnes gars, c'est trop pas bien quoi. Une Bepanga. Ouais, Noc. Endormi, du poison. Non. C'était la vraie. Guéridieu, c'est un play. Non. Pretty damn good. I'm pretty good, baby. Un petit lémonu. C'est un restaurant de Bebelator. I am very bien. Ça marche bien. Ouais, je fais le tour un peu. Bon, ok, d'accord, très bien. Bon. Alors, la chasse au Pokémon. Bon, pour toi et mon Pokémon préféré, je serai à l'est, à l'ouest, au fil du vent. Boy. Très good, très good. Collect marque, ok. Z ou un équivalent. Ah ouais, j'avoue, ouais. C'est vrai. Un Pachirusu. Ce Pokémon. What? Télécharge de Pachirusu. Ok. Bah, en gros, t'as rien, toi. D'accord. Balayage. Retour.
Oh, c'est bon. Oui, j'avais vu ça. C'est drôle, c'est sympa. Je suis de feu, ça va pas me faire trop mal. Mais me gèle pas. Laser glace. T'as envie de le frapper? Ah bah bravo. Coup critique alors que c'est pas efficace. Ta mère la chauve. Petit PD. Hydrocanon. Ça va faire 4. 10. Mais ta mère. Le Degolator. Il a toutes les attaques. Il s'en branle. Évolution du Degolator. Je l'appelle. Vous avez battu Collect Mark. Bon, mais c'est un Pokémon rare. Mais... Très bien. Un Tarinor. Eh, c'est un gros pif. Le Glator Go. L'avant. En gros, il a dit nique ta mère. En mode... Hydrocanon. Ouais, je l'ai vu, ouais. Il est intéressant. Il est assez intéressant. Demain, j'essaierai de m'entraîner plus sur Trial, ce qui est normal. Et de bosser aussi un peu Megaman X, énormément. Oh, un Ramboum. Ça va là, pour l'instant, c'est pas des Pokémon trop bizarroïdes. Ça va, on reste zen, tout va bien. Aïe, t'es capté ma gueule. Balayage. Cadeau. Ah, un cadeau. Il rend ma vie. Nice. Tiens, prends ça. Prends-toi un coup de pied. T'as du monde plus, connard. C'est un Ramboum qui rend des cadeaux. C'est gentil. Pokéboo, go. Ah, ta mère. Ta mère. Un autre cadeau. À charge. Aïe. Très bien. Super beau, go. Oui. Sombo. Oui. Ramboum. Ok. Ajouté au Pokédex. Ramboum, Pokémon grosse voix. L'onde de choc provoquée par son cri peut renverser un camion. Il trépigne pour augmenter sa force. Donnez un surnom au Pokémon Ramboum. Mais bien sûr. Alors, il nous faut un thème. J'en ai pas. J'en ai absolument pas. Est-ce que quelqu'un, éventuellement? Mais bien sûr, Aizen, le Degolator connaît toutes les attaques. Testiboom. Parce qu'il a des couilles sur le front. J'aime. Mais il nous faut un thème quand même. Testiboom. C'est avec sa testibatte. Sonic Boom. Sonic Boobs aussi, ça peut le faire. Dolby Stereo. Celui-là il est magique, Van Brock. Je prends. Dolby Stereo. Il est magique, putain. Et ça passe pas, fuck. Dolby Stereo. Voilà. Dolby Stereo. C'était les inconnus qui avaient fait. Son Dolby Digital Triple THX Multi Stéréo. Du son jamais entendu. Help me. Nah. Elle a Pokémon flotte en plein milieu de le... Comme ça, des hautes herbes. Osef, tu vois. Ramboum, je l'aime pas non plus, mais bon. Ah, bah j'arrive pas à m'enfuir. J'ai un Pokémon feu, ça me fait pas mal, gars. Ah, arrête. Yamete. Si je gèle, je crie. Merci. Excuse-moi, je... Vomis.
Alors, Tarinar. Tarinar. Pardon. J'ai tellement de noms dégueulasses, mais vous allez me traiter d'antisémite. Ça sort pas ? Ouais, parfait. Vent mauvais. C'est spooky. Ah, c'est spooky. Ouais, oh putain, la vache. De Glotton pouvait rien faire. Oui. Gonmichou. Eh bien là, Gonmichou. Agro-agrou. Piki ma point. Et après ça. Une roche. C'est rien. Voilà, n'importe quoi. Oui, le petit appétit. Dégommage, mais c'est échoué. Oui. Gonmichou rate. Bon, mauvais touche. Ouais, survie. Très bien. Tiens, après ça, salope. Je te pisse ton cul. Danse l'âme. Mais ça, c'est des attaques physiques, gros. Tu ne pourras pas toucher. J'ai pas l'impression qu'il ait une bonne DFST. C'est vrai que j'ai une... comment on appelle ça? Une IV assez spéciale avec lui. Le Degulator, malheureusement... Le Degulator a pris cher. He's dead. Il en va faire un vent mauvais? Ah non, Croc Fatal. What? What? Croc Fatal. Il vient d'où ces crocs? C'est son nez, tu sais, ça fait... Ah, ce jeu est magique. Ce jeu est merveilleux. Allez. C'est qui déjà le Degulator? C'est un... magma? Non, pas magma, c'est un... escargot de lave. Un lave escargot. Je sais plus son nom. Un lit magma, voilà, merci mon amant. Tu peux pas go. Oui, parfait. Parfait. Alors Tarinor, j'avais des noms. Antisémite. Pokémon boussole. Face au danger, il se protège en augmentant son magnétisme et en attirant tout objet métallique. On dirait un peu la voix d'un... comment dire... d'un forain. J'étais prêt à l'appeler. Désolé. Juifmon. Pardon. Comment ils ont fait pour trouver le type de Zygarde ? Bah si c'est une image, je peux pas la voir, mademoiselle. Val, pardon. Après, c'est vrai que j'aurais pu l'appeler Depardieu. Depardieu, j'aime bien aussi. C'est vrai que Depardieu, ça aurait pu coller. Depardieu. D-E-P-A-R-D-I-E-U. Ouais, si, ouais, c'est pour ça. Ou Dieu donnait, je sais pas. Ah, Depardieu, allez, vas-y, va pour Depardieu. Juifmon, bon, ça fait trop antisémite, on risque d'avoir des problèmes avec Valge, tout ça, on va éviter. Depardieu. Depardieux, même, j'ai envie de te dire. Depardieux. J'aime. C'est mignon, c'est pas mal. Pardon. Oh ! Hey, un Nosferatu, ça fait 8 ans que j'en ai pas vu un. Allez, Pony Tug, électrocute sa gueule. Prends ça, bâtard. J'ai tellement envie de mettre du rap à chaque fois que je le sors. Ouais, j'avoue, j'aime bien. Ah, moi, je peux pas avoir Val, mais si tu veux la montrer aux autres, vas-y. On va passer un peu par là. Ah, c'est toujours pareil. J'ai envie de foutre un vieux rap US, tu vois. Genre tu fous du bon Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. Bronyu. Pourquoi Bronyu? C'est un Brony. Brony U. Ah. Brony U. Dans ma tête ça fait ça. Hein. Brony U. Oh, mais j'avais pas vu tout ça, dis donc. Un plan de baie cerise, mais oui.
Bah non, mais Ling Magma, à la limite, tu peux... Je dirais que peut-être qu'après, quand il évolue en... Cargo Magma, je sais plus c'est quoi exactement le nom de son évolution. Mais quand il évolue, non, il devient super tanky. Il me semble que son genre, sa vie, il multiplie par deux. Je me rappelle que celui-là, il m'avait vraiment sauvé les miches, quoi. Dans une version de Pokémon, je sais plus laquelle, mais il m'avait sauvé les miches. Ah, il m'a pécho. Mais regarde bien cette pièce, pile, je t'affronte au combat. Enfin, c'est toi qui te bats contre moi. Alors, cher dresseur, le hasard te sera-t-il favorable? Croupier d'Ona. Mais dis donc, tu es un homme. Un abra. C'est moi qui s'est gratté pif. Tonnerre. Balle brune. Ouais, diable à mes couilles. Je nique sa gueule. Ah non! Pas mon peigne! Tiens, prends ça, connard. T'en bats les couilles. Triomburne. Magiana? Je connais pas. Ouais. Paralysé ne peut plus attaquer. Ouais. Rebond. Je t'emmerde. Je me casse. Boubombe. En fait, il attaque avec ses couilles. C'est pour ça qu'il émet alerte, c'est comme ça. Light. Light. Oui. Padalala. À quel niveau qu'il évolue, Ligmagma? Ligmagma, j'ai oublié. Face, et face à une telle défaite, je peux qu'aller me faire enculer, oui! Une pierre burne, très bien, parfait. Oh, oh le gars! Bon, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tu dis que tu as un Pokédex, un vrai Pokédex? Ah bon? Ah bon? Collect Sonia! Oui, on m'appelle Sonia! Eh bah bonne PS4 à toi alors, Madame Cora. T'as dû acheter une Uncharted. Ah bon. Bon jeu à toi. Oui. Au revoir, Baby Manta. Ah oui. Ah. Comment dire. Un pas chez lui. Non. Il y a un... Comment dire. Il y a un bon... comment il s'appelle. Un bon fan game qui est très intéressant de Pokémon, franchement. Je pense que Chéri Chéri pourrait te linker au pire, Spike. Mais c'est un très bon, bon fan game. Anneau Hydro. Ah là, c'est pour soigner. Son tour des voiles d'eau. Ouais. Ouais, ça lui donne que dalle, très bien. Tonnerre, hein, écoute. Oh, mais putain, il résiste à tout, ce fils de pute. Tiens, t'es paralysé. Je l'avais essayé, hein, mais... Pokémon Révolution Online, mine de rien, j'ai vite décroché, c'est con. Mais... M'attendais peut-être à plus, en fait, dessus, je sais pas. Bon, il m'emmerde, lance-soleil. Vas-y, il t'arrasse. Attaque du ghetto, ma gueule. Siphon. C'est quoi ce Pokémon du diable? Meurs pas. Oh, j'ai rien fait, ok. Meurs pas. Meurs pas! Lance-soleil! Tu m'emmerdes! Pokémon Gem, on m'en avait parlé aussi, mais... Pareil, j'ai pas... Pareil, j'ai pas trop... accroché, tu vois, Pokémon Gem. C'est pas Pokémon Gem beaucoup, tu vois, c'était Pokémon... C'était nul, très bien. J'arrête. Meurs. Putain, sérieux. Fais-moi un petit coup de retour, voilà, ta mère, tiens, voilà, de l'électricité dans ta race. 540. Un Primplouf. Par collègue Sonia. Salut, moi c'est Sonia. C'est pas dans ce sens-là qu'elle voulait dire ça, Spike, c'est parce que, comment dire... Pour Pokémon, t'as le nom des... Ah bah, putain de merde, pourquoi il a un Primplouf? Pourquoi il a ça, putain de ta race? Qu'est-ce que c'est que ça? M'en branle, je m'envole! Ça te fait enculer! Ça me voit là.
pied voltige. J'ai Pokémon. Dracochoc. Ah ah. Oh, il résiste. Cross combat. Ah, c'est bien, ça n'empêche. Mais non, le truc que je voulais dire, Spike, c'était par rapport à justement l'anglais sur Pokémon, c'est que t'as les noms des attaques qui sont différentes, donc bon, c'était pas à l'aise, c'est ça qu'elle voulait dire surtout. Un Falflette. Je me rappelle pas du petit bruit fragile que ça faisait en mode. Parfurette, je me rappelle même plus c'est quoi comme type. Machouille. Ok, t'as une mâchoire, ça colle. J'en ai marre des gardes mystiques, j'en ai marre. Aïe. Ah, putain, ça fait mal sa merde. Rafale psy. On va essayer. Ça marche pas. Machouille. Ça fait tellement du bien, il fait tellement mal. Très bien. Un gaz toxique. Ah, Calexania. Un Kéminus, mais putain, sérieusement! Ça va, t'as d'autres Pokémon? Oh putain, mais. Oh, il ressemble à rien! Oh, Seigneur Diox! Oh! Le Kéminus, il ressemble tellement à rien! On dirait un crocodile qu'on a laissé mourir de faim pendant 8 ans! Regarde, il ressemble à rien! Pauvre Kéminus! On dirait que. Ah non! C'est pas humain! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur Diox! Ah non! Ah non, regardez, franchement! Ah, le Kaminus! Oh, je m'en remets pas, je suis désolé! Oh. Ah oui! Mais l'ancien de Golator, malheureusement, il... Je pense qu'il a... Il a pas accepté le changement! Un Mascadra! Un gaz toxique quand même pour ta gueule. Oh, coupe croix, ça ne marche pas. Un farfuré, c'est quel type? Ah oui, je suis complètement déçu. Point Métor. Ah bah oui, ça... Voilà. À quel point, je ne sais pas, mais voilà. Pas ta faute. Mais non, mon amour, t'es caté. Ah mais il est complet, franchement, quand tu vois la gueule qu'il avait. Oh, le pauvre. Éjacule feu, tu vois. Aïe, mais what? Ah oui, c'est les pics. Putain, ta mère. Il n'a pas d'attaque de feu, putain. Spatio Rift. Fuck you. Oh, il meurt pas, putain. Point météor. Météor. Loupé, c'est nul. Ça fait mal. Aïe, dévivre sans toi. Alors... Malheureusement, il y a beaucoup de chances que je risque de mourir sur ce type de mec. Parce que si je rencontre plusieurs d'affilée comme ça, le mec il a tellement de types que moi-même je ne sais pas si je peux le tuer. J'accule ce feu, souffle du poison. Très bien. Perfuré. Je sais même pas, il est sensible à quoi en fait. Mais oui, voilà. Avec sa bite. C'est la bite météor, tu vois, en mode. Fort. Oui, il va y avoir du sport. Il faut que je le guérisse du poison. Mais exactement, exactement Spike. C'est la puissance du port du Havre. Non. Oui. Farfuré se réveille, balle glace. Mais arrêtez putain, je suis un Pokémon de feu, arrêtez avec vos attaques de glace. J'ai endormi, c'est bien. Et maintenant tout le concept est là. Comment? Je le touche. Je ne sais pas du tout ce que Farfuré est comme type. Parce qu'il est garde mystique, ce petit con.
Si vous me laissez quelque peu au préalable regarder sur mon portable. Un fer furé. Bah. Il y a une possibilité, mais bon. Pokémon Ténèbres Glace. Sérieusement? Ténèbres putain de glace. Ça craint. Ça craint parce qu'à la limite j'aurais eu du feu. Ok, mais ténèbres. Ténèbres. Ah putain, il y avait le Garhole. Mais le Garhole il est mort. Combat. Feu, fée, insecte, roche. Ah bien, mais j'ai rien pour le tuer. Super. J'ai strictement rien pour le soigner, pas pour le tuer. Bombok. You can save me, baby. Faut juste qu'il s'arrive pas. Bon, pas du poison, t'en fous, t'es toujours empoisonné par l'alcool. Réveille pas, faut juste que ça te brûle. Tu le brûles, ça fait. Le... Allez! Voilà! Non! Bambrock! Tu peux le faire, frère! M'étonne Masuda du pauvre que je te fais. Oh. Là il va se réveiller l'autre connard. Voilà. Putain mais j'en ai marre qu'il m'envoie de la glace sur mes Pokémon de feu. Bambrock, tu es ma dernière ligne droite. Mais oui, exactement. C'est le but. Éjacule feu, tank. Et toi, Van Brock, tu es là pour lui faire mal. Non, il y a absolument rien à voir. Absolument rien. Mais... Non. Pas de suite. Il faut que j'arrive à l'endormir. Voilà toute la subtilité de la chose. Il faut que je l'endorme. S'il est endormi, Van Brock a une possibilité de le toucher. Il dort. Ok, faudrait que j'arrive à lui faire encore 2 attaques. Très bien. Ah ! Oui ? Encore un putain de tour ? Ah ! Non ! Non ! Résiste ! Non ! Ah ! Putain ! Ah ! Comment je fais ? Je m'en fous, je vais l'endormir. En boucle. Voilà, je l'encule. Il se tuera, m'en fous. Salaud ! Et fais ton travail, Van Brock. I'm proud of you. Ça marchera pas. Presse. Il me plaît. Calazer, ouais. Non. Tu as fait presser comme un citron. Exactement.
suite. Aïe. Salut Fox. Risque de perdre. Ah oui, pas de soucis, ma belle TKT. Balle glace. Essaye de me finir comme une salope. Mais je résisterai. Je résisterai face à l'oppresseur. Vietnamien. C'est raciste. Il y a une toute dernière solution. Mais il faut que j'encaisse. Pendant... Talenta. Et bien sûr, lui il me fait des crits, tu vois. Bon bah tant pis, j'ai perdu. Tant pis. J'ai hâte de faire un sort de Pokémon. Tant pis. Ça va toi Fox? Très bien. Alors, j'y retourne pour les foutre sa branlée, à ce fils de pute. Ça m'emmerde, Van Brock, tu aurais pu le décimer! C'est ma faute, j'aurais dû te level up. Tu étais ma Trump card. Ma Mystic card. Ah. Voilà, petite merde, je vais t'enculer ta race. Je vais te niquer ton cul tellement fort que tu. Plieras du sang. Baby Manta, t'inquiète, j'en fais. On s'en branle! On s'en branle! On est là pour tuer des gens! Voilà! Et autant, tue-le! Voilà! Ah merde, ça marche pas. Sans moi. Tue-le quand même! Tue-le! Tue-le! Nyaaaaaah! Voilà, c'est cool! Chez Jésus. Changer de Pokémon. Attends, ouais. Ah, mais justement, mon amour! Justement, non. J'y ai pensé, mais non. Nous sommes là pour faire du Pokémon. Dans Pokémon non émulé, eh bien, je ne vais pas utiliser ce fait. Ouais, je trouve ça plus réglo en fait, parce que sinon, c'est vrai que. Sinon, en fait, ça serait beaucoup plus simple en fait. Beaucoup trop simple, même d'ailleurs, je dirais. Enfin, non, c'est surtout. Je voulais l'utiliser essentiellement pour les. Tu sais, pour genre. Plus haut, genre dans les combats d'arène, tu vois, là, c'est. C'est différent. C'est pas vraiment un combat d'arène, enfin. C'est vrai que j'aurais dû utiliser les safe states, putain. Ouais, c'est ce que je me suis rendu compte. Hein. Surtout que j'y ai pas pensé, j'étais en mode... Merde, comment je peux le niquer? Finalement, bah à la fin, il m'a déglingué la nuque, voilà. Mais c'était cool. Bon, très bien. Allez, Ponytug, défonce-lui sa gueule à tout tonnerre. Racoche. Hey, j'en ai marre des coups critiques, ça. Le gars, il me cale des coups critiques, mais en mode. T'en veux un, tiens, un cadeau. Tiens, vas-y, défonce-lui sa gueule, de Golator. Voilà, balayage dans ta gueule. Mauvaise foi. Mais oui. Je m'en rends très bien compte, c'est ça le pire. Ah. J'ai planté de Pokémon. Excuse-moi Van Brock, je voulais pas te faire de mal. Excuse-moi. Je me suis planté de Pokémon, réellement. Je suis vraiment planté de Pro V, ouais. Bon, bon, défonce-lui sa gueule, déflagration. Quoi, Météor, ça touche, mais oui. Tiens, prends ça dans ta gueule, ferme-la. Voilà, des bisous. Minus. Changer de Pokémon. Garou. Level up, Van Brock. Oui, mais... Oui. Promis, Van Brock va évoluer. Ah. Ah. Mon regard. Je peux pas regarder trop longtemps. J'ai l'impression qu'il bouffe mon âme. Ah. 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 Merde, enculé. Salope. Oui.
Godmichou, voilà, tu sais quoi, Godmichou. Voilà, et tu sais quoi, gaz toxique. Tu m'emmerdes, touche. Ben oui, j'esquive tout. Mais... voilà, merci. Allez, on est parti, on va jouer plusieurs tours à s'amuser. Ventipoint, ça marche. Oh, ça marche. J'ai tellement besoin du Godmichou. Je suis franchement jaloux de ton Pokédex, j'en mets aussi. Ah. Qu'est-ce qui va aspirer l'autre, dis donc? Mais de quoi est-ce que tu parles? Alors, objet. Donner un objet. Et écoute, mon cher Van Brock, je me suis rendu compte que dans les situations délicates, dira-t-on, j'aurais besoin de toi. Ok, tu tiendras le multi-ex. Tu fais vite, après tu peux atteindre le mur du son. Voilà, je reviens du Japon. Mais de quoi tu parles, Spike? Ça prend, ça peut pas. Tu seras ma carte secrète, tu seras ce que l'homme a voulu devenir. Ah mais pauvre toute l'équipe, le Nuzlocke en fait, mine de rien, je sais pas, c'est pas que ça m'a jamais tenté, tu vois, mais j'ai toujours trouvé ça en mode, t'as vu, j'ai une grosse kékette, je suis capable de faire le jeu sans avoir un seul Pokémon qui tombe dans les vapes. Alors que pour moi, ça fait complètement partie du jeu, tu vois. Tu vois, c'est un combat, je sais pas. Mais oui, mais ouais, mais c'est bon en plus. C'est exactement ça, pour me raconter. Il est où le temps? Ah, pas l'attaque. Très bien. Hippotramp qui m'envoie des attaques insectes. Très bien. Le temps! Il est 22h26! Non, cette attaque était bien au début, mais maintenant j'ai l'impression qu'elle est trop terrible en fait. Ah je sais pas, franchement j'ai cette impression surtout de voir en fait un effet de... T'as vu ma kékette, elle est énorme, regarde, je suis capable de faire Pokémon sans perdre un seul Pokémon. C'est dur, c'est très dur, je veux bien croire, mais... Désolé. On va pas rester dessus. Ah tu crois qu'il y a des choses à ma place de Pokémon? Ah! Ah! Canon Webster. Webster. Dementa. On dirait qu'il boude, tu sais, comme ça. Sur le temps. Gravité. Ah là là, on peut plus voler. Tu viens de te niquer toi-même. Très bien. Bien. Bien joué. Ouais, mais bon, il y a perdre et perdre, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est étrange. Mégacorne. Quelle corne! J'en ai marre de ces Pokémon aux anatomies étranges! J'en ai marre! Ça. Pic-pic! Mais quel bec! Bon, ok, je fais du balayage champier, mais quand même! C'est cohérent! Bec vrille! J'en ai marre de ce jeu. Oui, mais c'est beau, c'est beau. Dégoulator ? Oui ! Parfait. Vendre que vous avec 15. Un Absol ! Absol. What ? Moi je peux toujours pas voir, bah, toujours pas, hein, ça change pas. Sol, c'est ténèbres, normal, je sais plus. Le Gaoul, on va essayer. Douglator, reviens. Il y a peur de se faire refaire le puits. Oui. Oui, absolument. Ouais. Et ouais. Les deux choses sont identiques. Ah bon.
Gaul ne peut pas utiliser vol à cause de la gravité. Ok, bah vibre obscur. Ça marche pas, bah oui, c'est un Pokémon ténèbre. Vendetta. C'est une attaque qu'il y avait déjà, ça, non? Aïe. Ah! Plus! Plus encore! Il t'arrache! Ennemis paresse. Ok. Tiens, prends soin de ta gueule! Ah. Télékinésie! Regarde ma putain de cuillère! Je me vole. Ni paresse. Putain, mais le gars il paresse, tu sais. Tranquille, mais il joue. 447. Vumbrak. Évolutionné Vumbrak. Onyx va être envoyé par Canon Webster. Un Onyx par un canon. Mi gusta. Tout le monde a peur du Dégolator, même un Onyx. Crocolarme. C'est pas cohérent, putain de ta mère. Hydrocanon. Fuck you, Pokémon Roche de merde. Voilà. Vite que dalle. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a un connard télékinésique qui est juste là. Le Dégolator a bien évolué. Il est temps d'évoluer. Le God Michou. Agro Agro, c'est lui le God Michou. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien lui apprendre, God Michou? Mich ombre. Ouais, embargo. Couchage, non. Expo Force. Alors, est-ce que genre le God Michou peut l'apprendre? Oui! Pardon. Eh bien, ce sera la place de... Ultima Boule. Très bien. Ultima Boule. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Ultima Bull. Et pour Expo Force. D'ailleurs, mon raton, il évolue quel niveau déjà? C'est dans les 20 ou un truc comme ça, non? 20, 25? C'est comme les Rattata, non? Ah, ça faisait longtemps que je sentais la présence d'un dresseur, c'était toi! C'est toi! Toi, c'est un toi! Kinésiste Robin. Robin? Riolu. Théolu. Oh, bah, lui. Expo Force! Tu vas prendre ça, salope. Ouais. Coup critique. Level 20, ok. God Michou, Vumbrak. Galifeu. Galifeu, c'est un starter. Oui. C'est pas Poussifeu. Poussi. Pussy Fire. Je sais pas, les starters feu, je les ai toujours trouvés très mignons au début, mais super badass après. Tu prends le premier starter. Le tout premier, c'était Salamèche. Le deuxième, c'était... Merde, c'était quoi? C'était Typhlosion. Ça, c'était le tout premier, c'était... comment il s'appelait, putain de merde? Des trucs de feu, tout mignon. Après, il y a eu... Non, putain, je passe directement au cochon, à Fennec. Mais même le cochon, forme finale, tu sais, ça faisait genre en mode brrr, je vais te péter ta gueule, tu vois. En mode par l'illusion du phénix, tu vois. Et je sais pas. Hérissandre, ouais, merci. Starter niveau 3, enfin, le troisième starter. Je me rappelle plus c'est quoi. Je me rappelle plus trop ce troisième starter. C'est pas celui avec Vipelier. Je que c'est celui avec Vipelier. Il y a Wistikram. Poussifeu. Wistikram, franchement, il me semble que c'est l'un des meilleurs starters de Pokémon. Que c'est un Pokémon feu combat. Il me semble que quand il évolue, ça devient un truc de malade mental. Oui, j'ai clé d'eau, allez. C'est ce que je voulais faire. Dessin, la j'ai clé d'eau.
Et là, je me masturbe actuellement. Oh, oh, I'm coming, yeah. Oh, oh. En fait, toujours la forme intermédiaire des starters d'eau. Je trouvais ça... Enfin, starter de feu, pardon. Je l'ai trouvé pas terrible, tu vois, comparé à la première version qui était mode kawaii et la dernière version qui était en mode divine, tu vois. Le dieu est tente d'apprendre ruse. C'est Rude Boy. Ça va, Rude Boy? La forme? Je vais apprendre la ruse. Ouais, c'est pas terrible en fait, gars. Ah non, mais je veux pas. Mais... Corse! Ah, mais oui, mais. Ah, Van Broek level 17! Ah, parfait! Van Broek peut rendre les gens fous! Parfait! Je vais garder le feu sacré en toi. Bon, ça va, Rude Boy, ça va. Mon Van Broek deviendra ma boîte à outils ultime. Quel type il manquait pour Evoli? Parce que mine de rien, il a fait tous les types. Peut-être qu'il va introduire un nouveau type, hein. Je sais pas, hein. Peut-être que tu auras des Evoli double type. Parce que tous les Pokémon ont toujours des doubles types. Les Evoli, la plupart du temps, n'en ont pas. Peut-être un Evoli double type. Ça, ce serait stylé. Mon merde, il faut se prendre, je me casse. Il m'intéressait plus. Genre un truc à choper ici, quoi. J'irai à Siepto, mais après, le double type, pourquoi pas, tu vois. Franchement, l'idée du double type, moi, je trouve ça pas trop mal. Oh, j'affronte un dresseur plus fort que moi pour compléter ma collection. C'est ça, être un collec. Très bien. Avec un nom de gonzesse, non? Parce que collègue Sonia, quand même, c'était drôle. Collègue Jasmine. Collègue Jasmine, mais oui. Archeodong. She expands the dong. Good Michou. Agrégrou. Exploforce. Très bien. Un putain de Galam. Sérieux? Galam, j'ai jamais compris l'utilité. Vraiment. Pour moi, c'était un Pokémon de combat. Trop cher. Et ça touche? Bah oui, c'est du combat, je suppose. Ah! Code Michou, non! Oh, viens m'aider à moi, mon frère Michou! Je sais pas. Sincèrement, c'est vrai que je sais pas. Je savais pas trop dire, mais. Trop cher. Chouille. Une petite giclette d'eau? Tiens! Dame Coco, bien bonsoir. Dame Coco, tu vas bien? Pas trop dur le boulot, Dame Coco? Ouais, c'était inspiré des îles hawaïennes ou quoi, non? Il me semble, c'est ce que Chérie m'avait dit, ouais, c'était hawaïenne. La fuite toi, ouais. Tu me racontes de beau, Dame Coco? Ça va? Ouais, c'est ça, je fais pas mal, mais moi je me régénère. Hawaïenne, ouais, pardon. J'ai dit Zaikawaïenne, non, un truc comme ça. Je me suis planté. Ouais, souffle du poison. Ouais, ça va. Le chéri m'avait dit que t'avais passé un entretien aussi. Ouais. Du singe, c'était moi. J'espère que ça ira. Rock. Le dong. Je suis fan de dong. Hashtag thug. J'avais bien prononcé. Exploforce. Je sais pas du tout c'est quoi comme type, hein. Ça doit être roche, non? Juste sa gueule. Et vous voulez du type vol? Franchement, pourquoi pas? J'irais pas non. Un Evoli. Tu vois?
Un air voli. Un pirouli. Un early. Early access. On ne juge pas. On ne vend pas un ours avant d'avoir tué la bête. Oh mon dieu, grincement. Ah, je suis grincement touché. Ouais, c'est cool. Juge sa vie, voilà, c'est cool. Je continue. Ah, je fais une petite giclette au dos, tiens, t'aimes bien, voilà. Dumbrock ? Level 18. Sacré, elle continue, très bien. Un Quatox ! Oh, voilà ce que j'ai à dire. C'est quoi un Quatox ? Putain de garnouille. Ok, ben, tonnerre. Absorbe vol ! Aïe ! Y'a mes TQ d'assaï, SBP. Oh bah, rayon lune, très bien. Oui. Exactement, litre, ouais. Je vais emmerder avec son bélier. Oh bon. Vas-y, fais ton bélier comme un trisomique. Rate son attaque, très bien. Tête de fer. Aïe. Bah oui, je suis de feu. Ça fait... C'est pas efficace, mais ça me fait super mal, très bien. Laisse-moi me guérir. Tête de fer, c'est pas très efficace, mais ça me fait taquer de mal. D'accord, des bisous. Gros givre. Mais arrêtez avec vos attaques de givre sur un Pokémon. Bon. C'est ça, mon break. Malheureusement, je peux pas te sortir, en fait. Pour l'instant, je peux pas te sortir, tu risques de prendre trop cher. Tu le ? Feu sacré. Feu sacré. J'ai un Pokémon feu. Il me reste un PV. Le Ponytug l'emmerde, quelque part. Il se casse. Oui, ça va. Un peu mal partout, mais sinon ça va. Enfin, en repos. Explos force. Voilà, nique ta race. Nique ta race, voilà. T'aurais buté le Ponytug sur 3 générations. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est clair. Giclette 2. Je comprends pas son petit. Ah ouais, le Evoli vol, ce serait stylé, ouais. Franchement, je dis pas non. 465 pour le Vombrock. Dernière attaque, t'es magistral, je suis heureux de t'avoir rencontré. Merci, Jasmine. Un peu, ouais. C'est vrai que dans Digimon, c'était un peu ça, ouais. Un peu beaucoup, même, d'ailleurs. Mbé papaya. Papaya, papaya. Bébé. Un autre éjacule. M'en fous, giclette d'eau. Brah. Amnésie. What? Il avait ça. Un autre éjacule feu. Tiens, prends ça de l'eau. Ton tati et bois de l'eau. Putain la vache. C'est quoi ce Pokémon torqui de mes couilles? Spatio Rift. Je l'emmerde ton Spatio Rift. Voilà ce qui se passe. Ah. Tu peux pas me toucher. Voilà. J'ai pas au taquet d'XP. Un reptincelle sauvage. Très bien. Tranquille. Bonjour. Cuir tordu. Mais c'est pour les attaques psy, ça, il me semble. De Kenva. De Comas. Les objets. Montant la puissance des capacités psy. Eh bien, voilà pour toi, Garou. Garou.
C'est vrai qu'un Evoli combat, ouais. Oh, un Primplouf. Mouais. Putain, mais c'est les hautes herbes des Pokémon... des Pokémon Starter, dis donc. Très bien. Dracochoc, non. Nope. Dracochoc. Nope. Onde de choc. Onde de putain de choc. Ok. 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 Un pied voltige. Sérieux, c'est bon. C'est bon. Ce Pokémon, ça deviendra mon main. C'est bon, je le prends direct. Le plein plouf. Onde de choc. Sérieux. Ce Pokémon avant-gardiste. Your soul is mine. Garde mystique sur Primplouf. Non, il a pas ça, non. Ah, ta mère. Mais oui, complet. Son convention. Dracochoc, pied voltige. C'est bon. I need it. Your soul is mine. Ah, ta mère, tu meurs. Je m'en bats les couilles, tu meurs. Bon. Mais oui, c'est Garde... Von Brock, level 15. Bientôt, l'évolution du Von Brock. Bon, j'aimerais bien avoir une ville pas loin. Non ? Normalement, il y a une ville pas loin. Voilà, parfait. Oui, je m'en branle des gens. Hein. Filez-moi un centre Pokémon, putain de vorace. Je m'en branle du reste. Pour l'instant, je m'en branle. Je vais... une... Oh, ta mère. Bon, stop temps pour toi. Une coupure de courant arrive à Mar au bout de cette route. J'équipe qui travaille, mais pour le moment, la route est fermée pour le moment. Ok, ta mère. La route 213, mais... Maman, je veux un putain de... C'est quoi ça? Le goût de la perfection. Ok, ta mère. Il a trouvé un centre Pokémon. Mais la tâche ne s'avère pas assez facile. Mais oui, mort par la chatte, c'est vous. On dirait qu'ils sont en reportage ou quoi? Les Pokémon du lac refusent de se montrer en présence d'humains. C'est pour ça qu'on se cache ici. On raconte qu'un Pokémon légendaire vit dans ce lac. Je veux le filmer comme je l'ai fait avec l'éviateur rouge du lac colère. Ok. Oh! Un Melocric. C'est une version évoluée, normalement il fait plus d'XP. Grimace. Ah, j'ai peur. Appel défense, c'est bien. Défense-toi. Rafale feu. What? Rafale feu, le gars. Grimace. Ah. Le Gonmichou a trois façons d'attaquer un ennemi, mais la plupart du temps, c'est un mode fudge, tu vois. Allez, die. Ça, c'est pour faire évoluer mon cher ami Van Brugge, bien sûr. Allez, Primplouf, reviens. Allez, reviens. On était bien. Non. Un gaz toxique. Oui, j'accélère. Vous comprendrez pourquoi, parce que... C'est un peu long. Ah là là, quelle grimace, j'ai peur. Mon dieu, mon sexe est humide, ah là là. Pardon. Voilà, des bisous, allez, ciao ciao. On a toujours pas d'évolution. Fouk. Laisse pas partir de ces herbes du diable. Oh! Un Malos! Voyons de quoi ce Malos est capable. Échange. Non. Et non. Et je te pète dessus. Oh! Pardon. Échange. Mais pourquoi il veut échanger? Je veux pas, moi. Non!
Oh nice. Pourquoi la semaine prochaine seulement? Hydro-queue. Putain de Pokémon ténèbres feu il me semble. Constriction. Ouais bon ok avec sa mâchoire il met... Mais... un truc de... Comment il s'appelle? De Yamete-chan là, de... Ah putain Tentacruel. Hydro-queue. Sérieux mais... Ok. Gaz toxique. Échange non. Ah d'accord. Ok. Tu dois pas... D'ailleurs tu retournes pas au... Comment dire? Tu retournes pas au... La Guadeloupe? Pas la Guadeloupe, la Réunion, Alex? Solution de Gonichou. Rock? Non, pas encore. Il faudrait que je fasse évoluer le Gahoul. Ah, vache. Ah, t'es bien, là, t'es... Une kill. Oh. Un Charmina. Un Charmina. Salut, Sen. Ça va, Sen, tu vas bien? La forme? Vol. C'est un Pokémon Fight, ça. Fight Psy. Lumino Canon. Non. Blé. Blé. Tiens, pour ça. Ah, d'accord. On est crevé? Ah, le boulot ou quoi, Yson? Van Broek? Oui, Van Broek. Regardez. Quoi? Van Broek évolue? Van Broek évolue. Van Broek est devenu un linéon. Van Broek est plus lisse. Il est devenu plus lisse. 15 semaines. Le gars, quoi? Ça va? Tranquille? Ça va le faire ou ça va être dur? Oh! Oh! Oui, je sais. Ça fait cher, mon petit garou. Rafale psy. Tiens, prends ça dans ta gueule. Mais oui, tu es devenu plus lisse! Double pied. Pa-da-pa! Un raton à un furet. C'est l'effet du pastis. Ça lisse les poils. Oui! Oh, le gars. Le gars! C'est faibli. Ok. Zbré! Bré! Ok. Vibre obscur. Je vais peut-être faire chez Redjou. Ah! Bah écoute, ça se trouve, c'est un petit laxatif. Un peu sympa. Franchement, ouais, profite bien, gros. Surtout vu les partiels de fou que tu te tapes, hein. Tu m'emmerdes, j'en mets au coup. Tiens! En mode insecte? Non, pas moi, ok. Grimace. Ah là là! Ah! Rafale feu! Bra bra bra! Oui! Il t'emmerde le Garoule! Garoule. Laxalite. Ouais. Garoule. Y'a putain de mom arctique qui apparaît comme ça en mode de schnapps, en mode coucou. Bon bah vibre obscur. Ah non, Anna. C'est bien, tu résistes, c'est bien. Rafale psy. Éboulement. Oh. Désolé Garoule, c'est pour la for science. Van Broek, on dirait qu'il nique le sol en mode... Regardez ça!
Non putain, oh, c'est génial. Excuse-moi vieux. Excuse-moi, ça me fait rire. Bah j'essaye. Je vais essayer, mais j'ai pas nécessairement la bonne façon. Pas de respect cette attaque, absolument. Conversion 2. Alors, ne la tue pas, s'il te plaît. Ne la tue pas. Ne la tue pas. Oui, parfait. Aïe, ça fait mal. De Golatan n'a toujours pas évolué, non, malheureusement. On a essayé, mais il refuse. Il est en mode... Non, je vais garder mes dernières vies. Un stade gamin shiny. Il était mal, non? Ouais. Ouais. Comme je comprends votre désarroi. Version 2. Petit proche. On va lui faire? Ouais, parfait. Oh, très bien, mon cher ami Van Braak. Très bien. Oui. L'éjacule fire. 43, putain mon dieu. J'ai tellement entendu parler de cette loi là actuellement. Oui. Elle devient acier, très bien. Il va y avoir du sport. Pardon. Utilisons la Super Ball. Oui! On commence. Ouais, si tu veux, Val. Je peux toujours pas voir, mais bon. Rien. Momartic, Pokémon enneigement. On dit que Momartic gèle ses proies grâce à son souffle à moins 50 degrés avant de les exposer dans sa tanière. Et vous avez un nom, je prends. J'avoue, ouais, moins 50, je pense qu'à la limite, si la meuf après elle te prend, tu vois, ça fait avec. Tu sais, c'est un peu Dio quelque part, cette meuf. Dans Dio. Enfin, Momardic. Momar Tub. Omar m'a tué. Pardon. Putain la vache, bah à ce moment-là je pense que ta piste, ta vessie, tout se gèle en fait à ce moment-là. Zourdo. Zourdo. Za Waldo. Mais n'empêche de la version remasterisée de Jojo. C'est super stylé comment il le fait en fait, de The World, parce que mine de rien, c'est complètement ça quoi. Très intéressant. Ok, Fox. Puis ça fait. Ah, my dick. Alors, Momartic. Oh non, t'inquiète, tout ce qui est gelé, si tu le réchauffes assez rapidement, tu n'as pas de nécrose qui se forme. Parce que mine de rien, le fait de geler un membre. C'est pas justement à cause du froid qui devient noir. C'est parce qu'en fait, à très basse température, tes membres brûlent. C'est pour ça que, bah, en fait, c'est une couleur noirâtre. Par contre, c'est pour ça que quand tu te brûles, tu as des cloques. C'est parce que justement, quand tu te brûles, ta peau réagit comme si elle avait été, bah, on va dire, gelée en fait. C'est très étrange. Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, mais c'est clair que dès que t'as quelque chose qui commence à geler, tu frottes, tu vois, tu fais. Donc en gros, à ce moment-là, bah tu te tapes une putain de brelette, tu fais. Ah bon, bah, chien de la pisse. Et je t'affronte, toi les. Ah bah en même temps, tu te fais draguer par ça, par un Momartic. Voilà. Quand même.
Pas Andromède. Quand même. Oh, Ricky, mon frère. Oh, Ricky. Oh, les chaînes nébulaires. Pas l'illusion du phénix. Oh, une fois, non. Heureux, mon amant. C'est Momartique. Tu sais, t'as Stalgamin, et quand t'as Stalgamin version fille, ça devient un Momartique. Pour remettre à la température de la neige, en fait. La neige, mine de rien, peut pas dépasser. Si c'est de la neige, et pas du gel, la neige, normalement, c'est, on va dire, aux environs de moins 5, moins 3, moins 2, tu vois, donc bon. Je vais l'appeler. Bon, ah, Spike avait proposé Momardic sur la gamine. Mais... on va l'appeler... Momartic. On va l'appeler. On va l'appeler Ice Pussy. Voilà. Ice Pussy. Parce que franchement, si t'arrives à niquer ça, mon gars, je pense que tu laisses ta top dedans, tout simplement. Tu laisses ta tub dedans. Y'a pas les dollars? Y'a pas les dollars? Allez, je veux un dollar. Un dollar. Ou quoi? Ice Pussy. Je veux même pas dire de te cramer avec de la lave. Mine de rien, t'as même pas le temps de te mettre dans la lave parce que tu te brûles avant, en fait. Worst name ever. Absolument chérie, mais j'ai pas d'inspiration, je suis désolé. Je suis désolé. Désolé. Oh! Et je l'avais dit, c'est une putain de convention de starter Pokémon, ces hautes herbes. Bon Nival, merci d'être passé. Une convention, mon gars. Oui. Ne tue pas le gobou, ne tue pas le gobou. Cage éclair. Mais oui, c'est que des putains de starters. C'est vrai que c'est le Pokémon préféré de ma chaîne. Rayon burne. Ah non, tant pis. Contre. Et j'ai pas attaqué. Bon. J'ai déjà fait des tests. On va essayer, hein, mais bon. Il va y avoir du sport. Vraiment fauchage. Je vais essayer de caler fauchage sur un des Pokémon. Cadavre dans un placard. Mais bien sûr. Absolument. Tout seul, le gobou. Je peux l'appeler Gobit. Gobbit. Gollum. C'est vrai qu'il met du temps. Gobou, Pokémon Poissobou. Il analyse le courant grâce à sa nageoire sur sa tête. Il est assez fort pour soulever des rochers. Oh, fais gaffe, Litz. Fais attention, ça fait mal. Ah ouais, ma puce. Ouais, il faut voir les attaques, ma belle. La team que de starter. Flobby d'amour. Nien. Ah nien. Faut qu'ils aient des noms de guerriers. Des noms de bâtards. Des noms d'enculeurs de poule. Ouais, Fox. Une super lampe. J'imagine trop, c'est marqué super. Adibou. Adigobou. Ah,
Vas-y. Adigobou. Adiboubou. Adiboubou. Il est rapide, boubou. Gobouler, mais non. Adiboubou. Trou du cul. Non. Madafaka. Madafaka. Elle t'a mis 101, 100 à 0. Ah putain, mort. Telle de merde. Trou du cul, mais direct, tu vois, je vais pas l'appeler vaginite, tu vois. Je vais pas l'appeler non plus mycose vaginale. Oh. Je peux l'appeler sphincter. Sphincter, ça fait plus distinguer. Et bien sûr. En même temps, il pouvait l'avoir sur le dos, mais non. Il a dit non. Fuck the society. On va aider Adiboubou ou pas? Non, bon. On va l'appeler... Sphincter rageux. Sphincter à queue. Hey, that's pretty good. À quoi sphincter? Non. À quoi sphère? À quoi Non. Ça doit être 21, 22 ma puce. Non, c'est 28 il me semble. 28. Enfin, je sais plus. On va l'appeler... Gobtub, voilà, il va s'appeler Gobtub, voilà. Rectobou. Rectobou est un très très bon nom. C'est un très bon nom. Parfait SN, parfait. Rectoboubou. Il s'est fait Rectobou. J'aime, j'ai beaucoup aimé, merci. C'est très beau. On ira voir ses attaques après. Je veux un putain de Primpou. On en a rencontré je sais pas combien. Oui. Non. Un reptincelle contre éjacule-feu. Prin plouf. Ah mais non. C'est Charmina. Ultra laser dans ta gueule. Brah. J'adore le Pokémon en face, ça il fait. Ah, mais ça y va sur les canons. Lumino canon. Double dard, ouais. Empoisonné, bien sûr. Mais c'est la fête dans les boîtes jaunes. Sport. Il va y avoir du sport. Il nous respecte. Voilà, je chope, voilà, on s'en branle, bras, ça fait. Pfff. Ah! Voilà! No chill. Charmina, Pokémon méditation. Le jeûne lui permet de concentrer son esprit au point de déceler l'aura de ses adversaires. Wow. Et bon, on va l'appeler. Après Charmina, je peux l'appeler. Une inspiration. Je vais l'appeler dildo de combat. Faut des chiffres. Dildo de... De rue. Dildo de rue. Ouais. Et Street Fighter, le gars. Dildo de rue. Parfait. Chill in a lock. Oh, un rhinocorne. Très bien. Roi Enoch. Oh, il fait sécheresse. Très bien. Dracogriffe. Bra bra. Vampigraine. Mais what? Ouais, t'as des attaques, ma puce? Spatio Rift, fuck you! Oh, merde. Pardon. J'ai trop éjaculé.
Un Primplouf, un Primplouf, on s'en branle. On s'en branle. Bon bah, je vais me faire une petite santé un peu plus haut. Oh non. Popcorn. T'aurais pu, ouais, mais bon. Je m'attendais pas à ce que je le tue, en fait. Ah, mais putain. Arrête les mélocriques, ça va. J'ai assassiné pratiquement toute ta famille, ça te suffit pas? Non. Non plus. Ouais. Oh, pas le corne. Il a croc fatal. Il a quand même croc fatal. Pro. Pro le gobou. Pro le gobit. Pro. 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 Je sais même pas quelle attaque il a là, actuellement. Je vais aller voir. Allons voir. De toute façon, un Ponyta s'est évolué en galopa. Avec une... Oh, pas de pierre-feu, il évolue level 32, il me semble, non? Ah, ouais, je sais pas. Mais il a pas besoin de dents pour ça. S'il te plaît, le Tarinor qui avait quand même Croc Fatal. Le Tarinor, c'est un Pokémon avec un putain de pif. C'est tout ce qu'il a. Retirez Pokémon. Putain, ma boîte 2, elle est pleine. Cube 404, deux par dieu. Ice Pussy. Icoque. Crochet venin. Carabifle, je sais plus ce qu'il avait, Carabifle. Imitation, photocopie, ok. Par contre, je reviens. Je vais aller aux toilettes. Je regarde juste ce que le dildo de rue avait. Le glas de soin. Lumino canon, ok, c'est un peu de la merde. Je vais en profiter pour sauvegarder, tu vois. Non, voilà. Devant. Et je reviens. Mon dieu, Litz. Quand même!
Et re... Léviator. En gros, le principe du jeu, si tu veux, Essan, c'est que je peux choper... Ah, re, Monsieur Von Brock. Je peux choper un Mewtwo dans un fourré de level 1 avec trompette. Grosso merdo, c'est ça. Et tout ça est un hack que ma chère étante m'a fait. Tout spécialement. Il faut que je tue encore un autre dresseur qui est juste là. C'est un bruit qui expose moi ce rocher. Merci. Qu'il est beau. Ah, qu'il est beau notre Van Brock. Cette évolution le rend plus plus intéressant, plus en superbe. Je parcours le monde pour en découvrir tous les mystères. Ok. Oh, je pense que la chérie pourrait, mais bon. Rune maniaque, Tia. Très bien, les runes maniaques, c'est des transsexuels. Un fanfic. Leave it to me, bitch. Close combat. Non. Oh. Des bisous. Éboulement. Ils ont tous ces attaques de base, genre éboulement. C'est garanti, tu vois. C'est pas ça que je voulais faire, n'est-ce pas? Je me suis planté. Éboulement. Au revoir. J'étais très con. C'est pas grave. J'aurais voulu un peu le Pony Tug. Tonnerre. Ça n'affecte pas, très bien. Aïe. Rebond. Oui. Voilà. Pony Tug level 26, ok, très bien. Van Brock. 21. Rune maniaque qu'il y a. Alors, encore une défaite. Cette chose ne change pas. Ouais. Ah. Pardon. Ah non, pas de rambo boum. Boum boum, boum boum boum. Non. Ah. Oh. 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 I'm in fact. Tellement pris mon shampoing. À base de pastis. Alors, le Infect. Je me rappelle très bien de ce Pokémon. Parce que c'est la forme au-dessus d'un Pokémon complètement dégueulasse. Il faut bien comprendre que c'est un Pokémon complètement atroce. Donc, dans ma tête, je m'étais dit, vas-y, c'est un insecte. Mais non, ce n'est pas un insecte. Croc fatal. À quelle bouche, putain de ta mère. Méga fouet, oui. Un tyrannosif, exactamente. La feinte. Oh, nice. Méga fouet. Il a méga fouet, qui se fait déjà bien gaulerie. Je sais pas si je vais le tuer ou pas. Non, 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 non. Bon, attends. On va essayer. Mais pourquoi j'ai gardé une multi-ex pour Van Brock? Putain, sérieux. Des 9-9. Waouh. Eh, hey, mais ça y va sur les Pokémon. C'est le schnapps, là. Hein. Le 9-9, c'est un Pokémon que j'ai dû voir... 5-6 fois dans ma vie, vraiment. Un tonnerre. Un tonnerre quand même. Ce qui me fait plus rire dans le tas. Attendez, je vais juste vous montrer, j'attends qu'une tranche nuit. Aïe. Un chevalier qui roule au galop. Son nom, c'est Zoro. Pipipipipip. Avec la pointe de son zizi. Attendez, comment je peux faire pour vous le montrer? Ah, c'est bon, vous voyez. Ce qui me fait tellement délirer, c'est celui-là. Il est en mode oh putain, la vie, c'était mon cool. Je kiffe ce gars. À chaque fois, dans les 9-9, il y en a un, t'as l'impression qu'il est totalement stoon. Mais total. C'est un truc de fou.
Bon, on va essayer de le finir à coup de tonnerre. Ouais, c'est ça, je pense. Meurs pas, c'est parfait. C'est très intelligent. Il a tué mon thug, mon pun thug. Oh putain, t'as l'air agressif quoi. T'as l'air putain d'agressif en broc. En mode. Fuck your bitch! Give me the pastis! Ok. Oh mais ta mère la chauve. Julien B. C'est qui Julien B? Bombrock! Oui, tu encaisses! Tu es un champion! Champion du monde! Bon, très bien. Il est mourant, il va peut-être pas se laisser faire. Bah non, il veut pas. Il doit se recharger. Très bien. Julien B. Julien B. Julien Bancroute. Julien Buffer. Ah ouais? Ah merde. Et on le passe ta gars. Donne-moi ça. Bah en même temps le gars il s'est pas cassé le cul franchement. Il voit des œufs, bah il va les appeler nénèf. Même s'il y en a un qui est complètement mort au bout tu vois. 2 3 Oui. 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 Le neuf est attrapé. Traber. Neuf, Pokémon œuf. Ces 6 œufs communiquent par télépathie. Ils peuvent se réunir rapidement si on les sépare. Il y en a un qui a l'air tellement vénère aussi en bas à droite, j'ai pas vu. On va les appeler. Gang. Neuf. Oh. Oh. Je vais marquer Gang Bang. Ça me semble pas mal, tu vois, regarde, tu sens qu'ils s'amusent bien ensemble. Et t'as celui du milieu, bah qui se fait bien enculer. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Voilà. Gangrène. Oh merde, j'aurais dû prendre celui-là. Gangrène. Il est encore plus nocif. Encore plus. Encore plus cancérigène. J'aurais dû garder Gangrène. Désolé. J'ai été con. Full bleu. Oh, monsieur Y. Bien bonsoir. Ça va Y, tu vas bien? Je tenir, augmente la beauté dans les concours. Oh, c'est un foulard bleu. Ah là là. Ouais, neuf, ouais, j'ai qu'il feu. Ouais, je m'en branche pas sur le rythme de bras. Oh, ça touche. Ça tue pas. Mais ultra laser, tiens, ferme ta gueule. Voilà. Ah, ah, il était seul au Japon. Ah d'accord. Donc en gros ils ont donné libre cours à son imagination. Moi ouais, ça va. Ça va bien, ouais, les Grecs. Monsieur les Grecs. Joli. Ouh. Méga fouet. Sniff. What? Ah non, sniff l'herbe. J'avais compris Stiff Herbe. Oh. Ouais. Ça méga fouette mon cul, ouais. Il fait une fente. Pour bientôt, ouais, c'est pour la semaine prochaine. J'ai plus que vendredi à taffer et puis. Et puis, bien que pour. Hein. C'est pour faire plaisir aux enfants. Ouais, bah tu m'étonnes. De base, je pense que Pokémon c'est un jeu d'enfant, mais maintenant c'est devenu du serious business. Pouk, je n'ai plus de Pokéball. Vite, allons en racheter. Putain. Je suis pauvre. Non. Ah, par contre, mais putain de merde. Je vais aller en racheter. Et je m'arrêterai là pour du Pokémon pour aujourd'hui. Je recommencerai plus tard. Je sais pas si je recommencerai dans la semaine. Demain, je vais essayer de vous faire des streams. Un stream plutôt pour tout ce qui est speedrun, tout ça.
Puis mine de rien, bah, il y a un tournoi samedi, je vais essayer d'y participer, c'est pas trop mal. Je déménage la semaine prochaine. Semaine prochaine, j'ai une semaine. Polo qui veut passer me voir lundi. Je vais pas dire non. C'est vrai que ça fait toujours du bien de voir le Polo. Et ouais, durant la semaine, il faudra que je voie pour résilier ma ligne internet. Mais bon, je sais pas comment je vais faire. De toute façon, on verra bien. Pire que quitte à ce que je continue à payer, je verrai bien. Je me débrouillerai. Une prochaine fois, peut-être. Oui. Hop là. Écoute, je m'arrêterai là pour ce soir sur Pokémon. Je vais continuer sur un autre jeu, vous inquiétez pas. Juste pour faire assez sûr pour ma vidéo sur YouTube. Pas nécessairement Litz, pas nécessairement. Moi le truc c'est que, comment dire, il y a ma journée de déménagement. Je pourrais même dire de vous stream avant quoi, ça va être drôle. Et après, non, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, il y a juste une journée où je streamerai pas. Le lendemain, je pense que je serai chez ma mère, donc je passerai du temps avec elle. Après, je pourrais me démerder pour essayer de stream chez elle, il n'y a pas de soucis pour ça. Il y a aucun souci. Putain, j'ai commencé en septembre 2015 quand même. Faut le croire. Oula. Un peu, ouais, j'ai attaqué un hangar de la Team Galaxy et on a rencontré les fourrés des Pokémon Starter. D'ailleurs, je fais mes cartons en live. Mais tu sais que mine de rien, j'ai pas tant de cartons que ça à faire. Hein. Le truc, c'est que quand je suis emménagé ici, je n'avais pas de cartons. Je n'avais pas de carton. C'est con, mais j'avais pas besoin de carton. Le centre commercial est là. Je rachète des Pokémon, des Pokéballs, pardon, parce que sinon, je vais les oublier. Mais j'ai pris des cartons, j'ai un peu plus de matos en fait. Pas nécessairement plus, mais j'ai un peu plus. Par où il faut que j'aille, moi, pour acheter des Pokéballs. Une potion, ouais. Mon 15 pour l'instant. Merci. Majeur d'extrême. Je devrais le faire normalement. Je dis bien normalement. J'ai juste mon canapé en plus. C'est tout ce que j'ai en plus. Alors je. Petite connasse, je vais te prendre 12 hyper boules. Et après, je vais te prendre 15 super boules. Voilà, comme ça on peut tout capturer ma gueule. Et voilà. Non. Très bien. Comment ça devrait faire? Et normalement, je sais pas quand est-ce que Paul veut remonter, mais comme moi j'envisage de repartir soit le mercredi, soit le jeudi, faudra voir avec lui. Toujours dans le bonnet, le sacré bonnet. Au château? Quel château? Je vais essayer avec Je vais essayer d'en choper un, il semblait parfait. Parfait. Ouais, j'ai eu 2-3 petits problèmes pour lancer le stream tout à l'heure. Ça s'est vite réglé, je crois. Ok. Non. Pas de chamina. Non. Oh. Non, je suis pas là pour ça, moi. Je suis pas là pour Amalos. Je veux. Bah non, mais me fous pas tous les Pokémon genre que j'ai vu qu'une fois aussi. T'as un blème de carte son? Ah merde. Il disait que ça déconne. Non, pas de malos toujours. Je veux un bras plouf, putain de ta mère! Non! Regardez ce swag, tu sais, le gars en mode hey! Le jeu ne sait plus comme mettre, il fait vas-y, Lamantine, nique ta mère! Cauchemar! Mais non! C'est une bestiole pure! Regardez comme elle est mignonne! Cauchemar! Cauchemar? Réalité? Saumure! Aïe! Une armure de saumon! Une saumure! Et flair! Oui. Allez. Une saumure, très bien! Non mais je sais pas, peut-être que t'avais un château dans ta famille ou quoi, tu vois. Balls.
hyperboles. Allez, go! Allez! Va, ta mère! Je vais te détruire ton anus. Tour magique! La tour magique! Ah, d'accord, ok. Les cauchemars, il me semble que c'est quand t'es sous hypnose ou quelque chose comme ça, non? La vibre obscure. Spooky! Ça tue pas. Protestons. Go. Tu peux le faire. Oh, pardon. Oui! Oui! Pardon. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Y. Ton corps est couvert d'un grand manteau blanc qui, dans la neige, le dissimule des yeux aux yeux des prédateurs. Comment est-ce que je l'appelle? Dites-moi, comment on l'appelle? Ah, d'accord, ok, je vois. Juste le château, ouais. En fait, Lit, c'était... T'es assez friqué comme gars. T'as pas genre 6000 euros à me dépanner? T'inquiète, te rendrai pas. Putain, mais cet aperçu de merde. Excusez-moi, mais... Comment il a l'air en mode... Tuez-moi. Bite front. Une bite frontale. Et ouais, j'aime bien. Madame Michelu, Messire Miflon, comment allez-vous? Une bite frontale, j'aime. Pardon. Ça passe en plus. Bite frontale, ma gueule. Bite front... Bite frottie, alors. Pardon. Bite frottée. Parfait. Parfait. Retest. C'est le prochain, c'est un prince. Non, un malos. Bien, je fuis. Bon bah écoutez, je m'arrête là pour du Pokémon. Je reviens sur un autre jeu. Mais il faut que je coupe le stream pour ça. Comme ça au moins ce sera fait. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même, Pokémon. C'était plutôt sympathique. Moi, j'ai bien aimé. Bon, certes, c'était pas grand-chose. On aura fait que tuer des Pokémon, parce que oui, c'est littéralement du viol qu'on faisait. On aura perdu. On aura découvert le potentiel du Vambrock. Oui. On aura évolué un Pokémon, c'était bien. C'est beau. Très là-bas. On connaît tous. J'imagine trop, tu sais. Hop là. Hop. Mais bon. Je reviens. Oh, attendez. Il y a encore des petits messages. Hello, le mois du turfu. Bon, allez, des bisous. À tout de suite. Et bah, pour les gens de YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Des bisous, portez-vous bien. Et...